I'm singing the way. I'm singing the way. La 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 la. Il pleut tous les jours dans le nord. On va se payer un beau mildiou. Et c'est tout. La 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 la. Alors les amis. La solution de prévention à base de bicarbonate. Ouah, bonjour les amis. Alors un petit peu de gaieté. Bah, les amis, il faut bien mettre un petit peu de gaieté dans ces journées un peu grises, très souvent grises dans le nord. Bon, les amis, alors comment ça va? La 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 la. On est samedi, le mildiou, il est bien là, il est arrivé. Là là, je vois tous les agriculteurs qui sont là en train de répandre de la bouillie bordelaise. Alors les amis, bon ben c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident en ce moment. Alors moi, je voudrais vous faire de la prévention avec un produit qui est assez connu et vous redonner la formule bien connue du bicarbonate. J'en ai parlé d'ailleurs à mon ami Philippe, qui est un super bon jardinier à côté de Lillers, à Rieux. Voilà, et c'est vraiment un très très bon jardinier. Il a un jardin magnifique, plus beau que le mien, franchement, et qui me disait que lui, en ce moment, il faisait de la prévention au bicarbonate de soude. Alors, est-ce que vous connaissez ce produit, le bicarbonate? Voilà, le bicarbonate de soude. Alors, il a la faculté, les amis, eh bien, quand vous l'utilisez, eh bien, c'est un fongicide. Alors, ça modifie le pH, ça empêche les spores de ce fameux champignon de se développer sur vos feuilles. Alors, les amis, bon, bien sûr, si dans une heure il pleut, parce que là, bon, je vais pas le faire. Là, ils annoncent des averses cet après-midi. Mais je voudrais vous donner, si vous avez une accalmie dans votre département, comment on utilise le bicarbonate? Le bicarbonate, alors vous allez prendre un litre d'eau, vous allez prendre une cuillère à café, pas une cuillère à soupe, hein, une cuillère à café de bicarbonate que vous allez mélanger à votre litre d'eau, et vous allez ajouter aussi une cuillère à café de savon noir. Le savon noir, c'est un fixateur. Ça permet de fixer un peu plus le bicarbonate. Bon, si vous n'avez pas de savon noir, ça ne sera pas trop grave. Mais pour une meilleure fixation, le savon noir, ça se fixe dans les pores, si vous voulez, des feuilles, quoi. Des feuilles, hein. Voilà, c'est un fixateur, hein, comme on dit, hein. Alors, le bicarbonate, c'est un fongicide, hein. C'est plutôt à utiliser en prévention, c'est-à-dire pour éviter que la maladie s'installe. Alors, bon, bref, j'ai envie de le faire peut-être demain, hein, mais malgré qu'on a, on annonce quand même à nouveau une dépression pour, je sais plus, mardi, je crois, hein. Voilà, donc on fait de la prévention, ça va vous protéger un peu plus le feuillage. Et donc, bah moi, je vais faire ça peut-être demain. Peut-être pas demain matin, parce que demain matin, vous savez qu'il y a le vélo. Donc, bon, je ne vais pas faire ça cet après-midi, vu qu'ils annoncent des averses en fin d'après-midi. Donc, bon, c'est un peu cuit. En tout cas, les amis, bah, j'espère qu'on fera quand même, on aura quand même de la bonne tomate à manger, hein. Bon, les amis, ceci dit, eh ben, on s'est bien régalé ce midi avec les fameux épinards. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo juste avant, hein, les épinards. Je les ai fait revenir, j'ai enlevé d'abord les queues, je les ai fait revenir avec un petit peu de beurre et aussi 3 gousses d'ail.
trois gousses d'ail. Alors ça, c'est complètement, ça a fondu quoi, les épinards. C'est comme de la neige. Pouah, ça fond. Hein. Prenez un gros paquet. Hop, il reste plus que, je sais plus, 200 ou 300 grammes. Bon, bref, on s'est bien régalé. L'ail, ça relève le goût. Voilà, avec une côtelette et avec une petite frite à côté, ben, c'est excellent, les amis. Hein. Voilà, je voulais vous donner un petit peu la formule. Il fait toujours un vent de sauvage ici dans le nord. Hein. Alors n'oubliez pas, surtout ne faites pas une cuillère à soupe. Hein. 1 litre d'eau, 1 cuillère à café et 1 cuillère à café de savon noir en pulvérisation. Voilà. Mais si, écoutez, je me demande s'il ne rebruine pas un peu. Hein. Eh voilà, il rebruine, hein, je m'en doutais. Hein. Il fallait surtout pas que je le fasse cet après-midi. Ça y est, il retombe des gouttes, les amis. La 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 la. And singing the way. Je sais pas si on mangera des tomates cette année. La 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 la. C'est vraiment terrible cette humidité. La 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 la. La 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 la. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Et surveillez vos tomates et vos pommes de terre. Oh là là, quel temps de cochon. Allez, bye bye les amis.